On poursuit avec invité surprise. De tels endroits semblent attirer l'attention des amateurs de sensations fortes et des pillards. Il semble que quelqu'un ait installé un campement dans la forêt voisine. Allez voir s'il y a encore quelqu'un. Ok, donc je suis là-bas, donc on va aller ici, ici, ici. Et par là, alors je sais pas. Je sais pas s'il y a d'autres routes. Je crois qu'il y a une route toute tracée là qui fait le zigzag. Mais on se contentera de découvrir ça au fur et à mesure. Suivre, évidemment. Et puis mettre la journée. Merci. Et on continue avec le Lodestar. Il est tout équipé pour. Hop. C'est parti. Ça va aller mieux qu'avec un véhicule à l'arrière. Hein. Oh là là, qu'est-ce que ça s'est mal passé la mission d'avant. Bon, c'est pas grave. Alors, par là. Celle-là, ça devrait être assez vite fait. Et après, on va changer de véhicule. Oula. Je suis déjà dans la route. Ah oui, je suis sur la route, ok. Sur et pas dans, d'ailleurs, ça sera mieux. Allez. Ok. Alors c'est bizarre là. Je suis encastré, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la boue. Alors normalement c'est même pas de la boue profonde. Alors c'est bizarre, c'est que je suis complètement pété dedans. Ah, il avance, il avance, il avance, il avance. La vache! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouveau type de boue? La boue qui colle? La vache! Ah ouais, vaut mieux couper dans ce coin-là. Hein. Ah, je me rappelais plus. Il me semblait bien que c'était un peu merdique, mais alors pas à ce point. Au point de caler un Lodestar comme ça. Ah, chouette, des roseaux, de la boue, de la flotte, impeccable, tout ce qu'il faut. Hein. Un vrai plaisir là-dedans. Donne-moi ça! Je cale un Lodestar! C'est impressionnant, hein? On va utiliser le treuil parce que sinon je m'en sors pas, quoi. Da fuck! Sérieusement? What the fuck? Carrément. D'accord. Ouais, je me rappelais pas de ça. Faut tout faire au treuil. D'accord. Eh ben, sur le retour, on passera pas par là. Parce qu'on ramènera le véhicule à la station. Mais on coupera sur le retour là, parce que j'ai jamais vu ça. On va essayer de faire le chemin en entier, mais avec beaucoup de souffrance, j'ai l'impression. Ok. Voilà, un truc qui tient, s'il te plaît. Ah ouais. Je crois qu'on a fini la zone après ça, mais waouh. Ah, c'est vraiment une zone pourrie. Hein. Ouais, ben. J'aurais su, j'aurais pris un tank. Hein. Ça tombe bien, ils m'en donnaient un pas loin. Et je pensais pas que j'aurais vraiment besoin d'un tank. Allez, on y est presque. Qui va y aller là? Je suis en train de pousser une branche en plus, ça va peut-être pas m'aider. On va accélérer un peu la chose parce que même moi je m'emmerde là. Là, il y a un arbre qui faisait chier. On est presque arrivé. Presque. Waouh!
À quoi bon avoir fait une route, hein, franchement? Tu fais tout un marécage, tu t'emmerdes pas à mettre des routes, quoi. Hein. C'est impraticable, mais qui est passé là, une Audi A4? Parce qu'ils ont que ça dans le jeu, hein, des espèces de breaks, des berlines. Si, il y a quelques 4x4 quand même, mais bon, c'est pas non plus des trucs incroyables, je crois. C'est tout le long comme ça. Eh bah bordel. C'est pas une partie de plaisir, Timmy, hein. Ça y est, j'ai droit à une petite pause ou pas? Non, c'est toujours la merde. Non, mais vous déconnez, les mecs. Ah, bah, je comprends qu'il faille juste aller voir un petit point, un endroit, et puis c'est tout. Hein. Alors, ça serait expédition, on me dirait, tiens, en fait, faut aller là-bas, là-bas et là-bas. Il aurait rajouté 3 points en secret, en loose dé derrière. Waouh, mais sans déconner. Je suis obligé de conduire au treuil. J'ai pas l'impression d'avoir exagéré le machin, là. Vous êtes sûr que le tatarin y passe ici? Oui, hein. Avec ses pneus à 8 en stat. Je vais contourner un petit peu parce que là j'en ai marre, quoi. Il y a combien de milliers de tracteurs qui sont passés là-dedans pour rétamer la zone comme ça? Non, parce que là c'est labouré, 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 c'est pas possible. C'est impressionnant. Et il y en a encore derrière. Waouh. Ah ouais, non, mais même un Loadstar, il n'y arrive pas, quoi. C'est l'un des meilleurs scouts du jeu. Si t'enlèves le Tatarin, c'est peut-être le meilleur scout du jeu. Allez, il y a l'IR 87 dans la boue qui est peut-être un peu plus à l'aise. What the fuck? Y a rien qui se passe bien avec ce véhicule aujourd'hui, c'est pas possible. Non mais après là, je repars, je vous préviens, je coupe tout. Comme un porc. Ah, comme un porc là, c'est... Ça va être moche, hein. Alors je sais même pas si ça va vite, je m'en rappelle plus. Je crois qu'il y a des zones bien pourries aussi. Hein. Oh la vache! Ah ouais, ça m'emmène jusque là-bas. Ouais, c'est vraiment là, tu coupes et t'es arrivé. Mais là, ils te font passer. Et je suis sûr, en plus, faut aller là-haut. Hein. Non, vous avez craqué, là. C'est pas un campement, votre machin. C'est... Je sais pas, c'est une zone inconnue, jamais visitée. Le triangle des Bermudes, j'en sais rien. Je vais retrouver des bateaux, Michael Jackson, j'en sais rien, mais je vais retrouver des trucs, là. C'est pas possible, personne ne va là-bas. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il y a 40 mètres de flotte là au milieu, je sais même pas si j'ai bien fait de passer là. C'est... Waouh, mais j'ai jamais vu un endroit aussi pourri que ça. Même à Muroblast, ils en rêvent pas, hein, de ce truc-là. Bordel. Ah ouais, non, non, je repasse pas par là au retour. Hein. Non, 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 je téléporte le véhicule, je reviens à pied, j'en ai pour moins longtemps, là. Je crois que c'est le chemin le plus difficile que j'ai pu faire dans tout le jeu. DLC compris. À Amur, je suis même pas sûr qu'il y ait des passages aussi compliqués que ça. Il y a des passages chiants, mais tu passes. Alors là, je suis bloqué dans un arbuste. Là, un Loadstar, il n'y arrive pas. Je pense pas que ce soit le module qui gêne. Hein. What the fuck? Ah ouais, non, mais là, c'est carrément atroce, là. Il
Une petite photo ici, une petite photo à l'arrivée, ça me fait faire une pause 2 secondes. Et là, c'est... Bon, la photo est moche. Bref. Ça peut donner un petit quelque chose, mais... Ouais, bof. On verra. Bah, il y a même le treuil encore. Je lâche le treuil, je n'avance plus. C'est terminé, game over. Heureusement qu'il y a des arbres et le treuil, hein. Non mais là vous avez pété un câble. Non mais vous avez pété un câble, sans déconner, ça s'arrête quand? Ah ouais, non mais maintenant je comprends pourquoi je l'avais cuté le machin, que j'étais parti tout droit pour couper entre les arbres, tu m'étonnes. On va le faire pour le retour parce que là je voudrais voir comment ça se passe, ça se trouve pas beaucoup mieux. J'ai quand même les doubles pneus à l'arrière, je suis équipé là, ça devrait passer quoi, merde. Sans déconner. Ah, je vais couper un peu là, j'en ai marre, c'est pas possible. Je veux bien faire un peu de roleplay, mais là c'est plus du roleplay là, c'est. Oh, mais c'est toujours pas fini. Non, mais vous déconnez, les mecs. Non, mais vous déconnez. C'est une mission, mais hyper, hyper compliquée. Allez, tracte-toi, parce qu'on roule plus. Non, mais c'est pas possible, les mecs. Vous avez complètement vrillé, là. Ah ouais, non, mais... Ouais. Ah ouais, non, mais c'est frustrant sur 20, quoi. C'est juste frustrant en fait, il n'y a même pas. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien quoi. C'est juste de la merde en fait. Allez, casse! Casse! Au lieu de me les casser. Merci. Non mais là, j'ai jamais vécu une route de l'enfer comme ça. Hein. Non mais l'arbuste il me retient pas si tu veux, c'est un arbuste. J'ai un camion de 3 tonnes et demie je crois. Non mais non. Je suis pas l'homme persil comme m'a dit l'autre. Allez! Putain mais c'est pas possible! Un Loadstar! Mais comment tu cales un Loadstar quoi? Sans déconner, vous avez pété un câble. Oh, quelle horreur! Fausse alerte, on dirait l'endroit semble abandonné. Oh bah tu m'étonnes! Et presque vide. Pourquoi ces propriétaires laisseraient-ils cette tente ici? Est une autre question, mais le simple fait de savoir qu'ils ne sont plus là me suffit. 1500 balles, c'est déjà pas cher payé. Pourquoi ils sont plus là, à ton avis? Pourquoi ils ont pas emmené leur matos? C'est parce que c'est de la merde, votre coin. Ah, puis j'ai découvert une remorque. Mais qu'est-ce que tu veux emmener une tente? Tu vas être surchargé, tu passeras pas la boue. Tu l'abandonnes la tente. Alors là, pour faire une photo, il y a un bel arbre de merde qui fait de l'ombre juste devant. Là, ça rend comment? Pas top top tout ça. Hein. Là-bas, c'est encore plus dégueulasse. Waouh, mais quelle souffrance cette. Ouais, pourquoi pas. Ah, cette mission, mais. Waouh. Déjà qu'elle est pas intéressante. Ouais, c'est pas mal. Ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien. La petite table de camping derrière. Oh la vache. Bon, bah, on repart. On va faire le plein parce que là, je suis déjà à vide. J'hésite limite à l'emmener avec moi. Si j'avais une attache remorque, je la prendrais, mais. Le problème, c'est que je vais caler, quoi. Alors, si je veux essayer de m'en sortir, faudrait que j'essaie de couper comme ça, quoi. Tant
pour moi. On va mettre la lumière. Ah d'accord. Ah oui, j'avais pas vu le tronc. Oh là, vous... What? Vous êtes obligé de me foutre à quatre pattes, sur deux pattes, je dis, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un tronc, d'accord. Ah ouais, non, il fallait absolument mettre un tronc dans ce trou-là pour être sûr que tu passes pas tout droit. Bah oui. Le treuil, ça se passe comment? Parce que c'est censé treuiller un treuil. Hein. Voilà, merci. Bon, je vais faire plus attention. J'avais pas vu que même dans les trous, ils avaient foutu des trucs. Déjà que visiblement, ça semble être de la route de merde quand même. Enfin, de la route, on se comprend. Non, non, c'est toujours de la merde ici. Alors du coup, c'est moins long, mais c'est toujours de la merde, visiblement. Ça roule peut-être mieux quand même. Ça roule peut-être un petit peu mieux quand même. Waouh, sans déconner. J'aurais dû aller un tout petit peu sur le côté pour rouler dans la terre, dans la boue et pas dans la flotte. J'aurais dû faire attention, ouais. J'essaie un peu trop d'y aller en ligne droite, j'aurais dû faire un peu plus gaffe. Allez, on voit la purée! Bizarre, on dirait qu'il a plus de moteur là. Alors. Wouah! Wouah! Mais tu te fous de ma gueule! Ouais, il y a un trou, d'accord, mais ouais, là, il y a un tronc. Non, mais alors là, mais what the fuck? Et ça y est, on est de nouveau. Non, ça va, ça passe. Alors, j'arrive pas à voir, là il y a de la boue, de la terre, on peut passer là. Elle devrait y aller à peu près. Ah, ligne droite, c'est sûr, on va tout de suite plus vite. Hein. Je crois qu'on est arrivé en fait. Hein. On est arrivé. Juste un petit détour par là. Ça roulera toujours mieux que le dernier morceau de flotte. Oh, quelle souffrance! Venant de refaire tout le jeu, alors j'ai pas le souvenir de tout non plus peut-être, mais... Je crois que c'est la pire mission que j'ai faite de tout le jeu. Hein. En termes de difficulté, de manque de plaisir, de temps de jeu, je crois que j'ai mis 25 minutes à la faire là. Je sais pas, peut-être que je surévalue ou sous-évalue le temps, mais... On va se garer à la station service, je crois que c'est par là, hein. Ouais, c'est par là. Et on changera de véhicule après. Oh la vache, la souffrance! Oh pitié, je fais moins. Waouh. Ah, je m'attendais pas à ça. Hein. En évitant de tout casser. Ou presque, merci. Voilà, et toi on te reprendra quand on fera le défi. Je vous laisse ma dépanneuse là, hein. Vous en servez pas. Hein. Oh la vache, allez, on quitte ici.